Moi, je suis un chat, moi. Je sais pas combien j'ai de vie, mais je crois pas qu'il me reste beaucoup, donc il faut que je profite. À 14 ans, pour moi, ça a été le jour où je me suis réveillé. C'est le jour où je me suis fait attraper en train de faire des choses pas forcément sympathiques. Mon père, il m'a ramené sur les terrains, d'abord de course, pour aller courir comme un taré. Et après, il m'a ramené sur un terrain de basket, quoi. Mais ce jour-là, je m'en rappellerai toute ma vie. Et pour moi, à 14 ans, quand j'ai commencé à jouer au basket, même si j'avais des doutes, hein, rien ne pouvait m'empêcher de réussir dans le basket et d'aider ma famille financièrement. Ce n'était qu'une question de temps. J'ai toujours été patient. Jamais, rien ne m'a jamais été donné gratuitement. Le jour de la draft, pour moi, ça a été un jour, un des jours les plus stressants de ma vie. Je me suis fait drafter au deuxième tour. Mon contrat n'était pas garanti. Je ne savais pas du tout si j'allais déjà rester en NBA. Il fallait aller chercher le spot. Le grand architecte, il m'a dit ça, il m'a dit Ronnie, opération. C'était un moment assez bizarre, dans le sens où c'était juste une étape à franchir, quoi. Et en fait, l'opération, elle arrivait super vite, quoi. Donc, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mais le truc qui m'a beaucoup aidé, c'est mon chirurgien, en fait. Et 3 mois après, jour pour jour, j'ai fait la musculation. Defining moment, waouh. L'équipe de France 2009. Donc, quoi, la Belgique. Et après, je dirais le tour d'honneur aux Jeux Olympiques avec Tony Brown. Et quand même, dédicace au Big Three quand même, on a travaillé dur pour ça. Ça veut dire que t'as 3 gamins qui se connaissent depuis qu'ils ont 14 ans. Et un des rêves communs, c'était d'aller au JO ensemble, quoi. Donc, quand on se regarde à la cérémonie d'ouverture, t'as besoin de rien dire. Tu sais. Mais la retraite, c'est... En fait, il faut qu'on soit conscient de ce qu'on dit. Ce qu'on dit devient très souvent réalité. Alors moi, je suis arrivé à un point où on passe à autre chose, quoi. Je fais des choses sur lesquelles j'avais dû faire une croix. Aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir l'honneur, la chance de prendre le temps et d'apprécier chaque seconde qui se présente à moi. Mon objectif, ça a toujours été de jouer 10 ans en NBA, de faire 100 sélections en équipe de France. Je peux me regarder dans la glace et dire que j'ai accompli tous mes objectifs. Maintenant, place à une nouvelle vie.